Coucou, Miss Marin, et bienvenue sur Passion Chocolatée, sur la suite de Passion Chocolatée. Donc, du coup, je voulais m'excuser du retard pour le coup. Disons que je vais être honnête avec vous, ça me tentait vraiment pas de le faire. Donc, du coup. Mieux vaut tard que jamais, comme qu'on dit. Let's go, c'est parti. Nous étions chez tes parents. Quoi? Laura de Léon se fige. Oh, c'est vrai. Ses parents. Ne nous ont jamais dit pourquoi il était... pourquoi il est parti. Donc, du coup, c'est normal que c'est pas mal flou, hein. Donc, nous avons traversé l'enfer à cause de toi. J'aimerais au moins savoir pourquoi. Dieu, mais peut-être que ce n'est pas... Tu as raison, non, je devrais vous en parler. Les yeux de Léon regardent au loin, ils sont remplis de chagrin. Donc, là, du coup, je sais même pas pourquoi il y a nos focus. Bon, ma famille, nous descendons d'une longue lignée de noblesse. De noblesse. Je ris plus fort que je ne le veux, alors je ris humblement. Ce n'est pas vraiment choquant. Et ma vie n'était qu'une longue liste d'inconvénients. Je me sentais comme un oiseau en cage. Je n'avais aucune liberté en grandissant. Son expression se déforme. Il est clair que se souvenir de tout ça le vexe. Je ne peux pas imaginer que Léon soit emprisonné comme ça. Quand j'étais petit, j'ai vu une fille dans la bibliothèque un jour. Elle souriait et lisait un livre d'images. Elle, Eleonora, est la seule raison pour laquelle j'ai appris à aimer dessiner. Au moment où il dit son nom, ses yeux sont remplis de crainte profonde et lointaine. Ne voulant pas oublier l'excitation qu'elle et les images m'ont donnée, je me suis enfuie de ma cage à l'âge de 18 ans. 18 ans, ses parents ont dit qu'ils ne l'ont pas vue depuis lors. Ils ont baissé les yeux, ses mains sont serrées dans ses poings. Quelque chose est arrivé. J'ai postulé pour une université d'art. J'ai été acceptée. Ils ont déchiré la lettre d'acceptation. Oh mon Dieu, c'est trop cruel. Il nous parle de son passé, cela semble le déchirer de l'intérieur. C'est pourquoi je me suis enfuie de la maison. J'étais sans abri. J'avais faim. Et j'avais peur. Donc, autrement dit, il s'est retrouvé dans la rue. Hein? C'est à ce moment-là que j'ai retrouvé Eleonora. Eleonora, bon, enfin, laissez-moi clarifier, je ne l'ai pas reconnue au début. Quoi? Elle est morte dans un accident. Un de ses amis de bibliothèque m'a parlé d'elle à l'enterrement. Je n'arrive pas à y croire. La route est si sombre que j'oublie de respirer. Tout ce que je peux faire, c'est regarder. Oh, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Bon, c'est ça. La vérité est si sombre que j'oublie de respirer. Tout ce que je peux faire, c'est regarder dans ses yeux teints. Avec un lourd chagrin. Voilà, il m'a arrêté là. Pour le coup. Ah, mais c'est vraiment triste pour Léon. Vraiment, vraiment triste pour Léon.
pauvre de lui. Donc, il dit ben, Dieu est vraiment sans cœur avec les gens. Sa colère réprimée s'échappe en secouant les épaules. Pourquoi tu ne m'en as jamais parlé? Je ne pouvais pas tenir la première promesse que j'avais faite à Eleonora. Alors je voulais au moins accomplir la dernière chose que je lui avais promise. Il me regarde dans les yeux souriant. Elle voulait que je reste avec Dino jusqu'à ce qu'il puisse se remettre sur ses deux pieds. Hein? J'imagine Dino et tout ce que je vois est un homme heureux et confiant. Le cœur de Dino est lié à ce jour tragique. Donc, Luna, j'aimerais que tu libères son cœur. Je lui donne un regard confus. Moi? Oui, parce qu'Eleonora et toi êtes très similaires. Hein? Est-ce qu'on se ressemble? Non, c'est tes manières. Ou plutôt, c'est ton aura. Donc, vous dites que il me sourit vaguement. Je n'arrive toujours pas à comprendre ce qu'il veut dire. J'ai du mal à y penser et il me sourit maladroitement. Tu ne peux pas le laisser se libérer par lui-même. Jean Chalzan et Léon sourit tristement. Tant que je suis là, Dino se souviendra du passé. Et de plus, j'étais en partie responsable de son accident. Il me meurt à moitié. Je suis incapable de saisir ce qu'il a dit. Alors tu veux être proche, mais tu sais qu'être proche va le blesser. Je comprends. C'est pour ça que tu... Ouais, je suis toujours comme ça. Mais pas vraiment. C'est pourquoi j'ai continué à bouger. Enfin, j'ai une autre raison. Le fait de se perdre, de ne pas savoir se diriger. Oui. Dit-il en souriant avec son sourire joyeux habituel. En ce moment, j'ai le sentiment que le sourire de Léon est très fort. Maintenant que je connais la tristesse qu'il cache, je suis désolée pour lui et un peu fière de lui. Luna est déjà comme je l'espérais. Il a aussi deux apprentis maintenant. Il devrait aller mieux maintenant, même sans moi. Hein? Je sens un malaise insondable de l'autre côté du sourire de Léon. Alors il dit qu'il va disparaître quelque part. Ma tête palpite de douleur. Ok. Alors il dit qu'il va disparaître quelque part. Ma tête palpite de douleur. Quoi, ma tête? Avec l'odeur des fleurs, les mots qui ont été gravés dans mon cerveau remontent à la surface. Tu ne sais peut-être pas, mais au fond, je t'aime. Moi, je ne sais pas ce que ces mots signifient. C'est une autre partie manquante de ma mémoire. Pourquoi je m'en souviens maintenant? Luna, ça va? Oui, ce n'est rien. J'arrête phonétiquement mon cerveau de penser forçant le meilleur sourire que je peux ressembler et je réponds. Pourquoi je ne me souviens pas de Jean? C'est parce que je veux me souvenir que je suis très frustrée et que je commence à m'enterrer. Cette histoire a pris un peu plus de temps que prévu. Je vais aller prendre l'air. Ah. Hein, que je puisse lui parler, il se glisse hors de la pièce. Alors que je le regarde s'éloigner pour une raison quelconque, je ne peux pas me détendre. Quelle est cette sensation? J'ai l'impression que les mots de ma mémoire se sont accrochés à mon cœur. Ce type. Jean s'en va et se lève. Alors qu'il ne sait pas se repérer, il veut aussi hésiter dans sa vie. Hein? Oh, Jean? Je poursuis finissement Jean après qu'il sorte de la pièce. Oups, mon sac. Après avoir quitté la boutique, nous voyons Léon rentrer dans une voiture noire à quelques mètres. Cette voiture, ça ne peut être. La façon dont il garde ses problèmes à lui-même ressemble tellement à Ibuki. Il sourit fatigué. Appelant un taxi, il se tourna vers moi.
Cela pourra devenir embêtant. Tu devrais prendre un taxi. Bonjour, j'aimerais aller. Je fais semblant de ne pas entendre Jean et je dis l'adresse du chauffeur de taxi. Et j'y vais avec toi. Je ne peux pas le laisser seul. Il me regarde, je le regarde en retour et il soupire de défaite. Ouais, tu es définitivement encore toi. Il hausse les épaules, me caresse la tête, puis s'assoit à côté de moi. Voilà. Nous montons dans le taxi pour suivre Léon dans la voiture noire. Tu viens vraiment avec moi? Il a l'air inquiet, mais l'air s'adoucit. Je sais que je n'ai rien de spécial, mais il doit y avoir quelque chose que je peux faire. N'ose pas dire que tu n'as rien de spécial. Il y a des tonnes de choses que toi seul peux faire. On va juste le remercier, quoi. Merci. Ah. Merci. Incapable de le regarder dans les yeux, je détourne le regard. Allons-y, Luna. Ça ne me dérange pas si tu viens, mais reste près de moi, d'accord? Ok. Le taxi se met en route vers notre destination et je suis rempli d'anxiété. Je ne suis pas sûr de ce qui va se passer ensuite. Nous réussissions à suivre la voiture noire jusqu'à la maison des parents de Léon. Léon, Luna, je sors du taxi, il m'empare de la chemise de Léon. Je l'ai. Et je pensais que je t'avais dit de. Eh bien, peu importe. Jean aussi. Il lève les deux bras en guise de défaite. Rentre d'abord, je vais parler à mes amis. Bien. Après que nous soyons tous les trois, Jean parle avec prudence. Donc, tu es de retour à la maison maintenant, quoi? Il regarde loin de nous et il disparaît presque dans le crépuscule. Tant que je suis là, vous serez tous deux dans la baraque et je. Avant qu'il puisse finir, John l'attrape par le col. Tu as été si égoïste et désinvolte tout ce temps. N'ose pas disparaître pour une raison stupide. De plus, tu as promis à Luna que nous irions dans un endroit significatif pour elle. Ah? Eh oui, mon gars, prends tes trucs. Oui, salut. Ça aussi. Je décroche doucement la main de Jean et souris à Léon. Nous ne pouvons pas oublier la promesse. Ah, c'est vrai, je l'ai encore fait. Si tu ajoutes le fait que tu ne sais pas te diriger, personne ne croira que tu es un adulte. Jean, c'est un peu dur. Ils rient tous les deux et Léon lève les yeux vers le manoir. Tu as raison, maintenant que je connais le monde extérieur, je ne peux pas redevenir un oiseau en cage. Revenons à la maison de Dino. Nous discuterons de ce qui se passera après notre arrivée. Oui. Nous serions, nous sentant un peu en conflit lorsque nous quittons le manoir. Oh non, pas ça. Après le Grand Prix du chocolat, je prends soin de quelques documents. Puis je retourne à l'endroit où j'ai quitté Luna. Qu'est-ce que c'est? Je fronce les sourcils quand je vois des hommes à l'air louche, en costume noir, des gardes du corps, quoi. La seule chose que je sais, c'est que Luna est forcée à entrer dans leur voiture. Pendant une seconde, ma vision devient noire. Je ne suis jamais proche de Luna quand il faut. L'endroit où elle a été agressée plus tôt était aussi un endroit où j'étais. C'était juste par ici que j'ai fait la même erreur. Et maintenant, encore une fois, elle m'a été enlevée à mon insu, car j'ai promis de la protéger. Donnez-moi une pause. La colère s'enflamme à l'intérieur de moi et explose. Luna, je donne un coup de pied au sol et je frappe la vitre de la voiture, voulant la briser en morceaux. Je ne vais plus lui faire de mal. Jean. Quand je l'entends appeler mon nom, comme elle le faisait, le monde s'arrête un instant. Comment tu viens de m'appeler? Sur moi, est-elle revenue?
Un faisceau de lumière brille sur moi, mon cœur tremble. Je meurs d'envie de la toucher maintenant. Attention. Pas de soucis, attends juste un peu. En attaquant les hommes en costume noir, je commence à sentir mes poings me faire un peu mal. Cette douleur n'est rien si je peux la sauver. J'ignore le sang et continue de les frapper. Oui, merci, goodbye. Voilà. Bon, du coup, ça va être à peu près tout pour ce soir. Donc, je dis à plus et on se retrouve vraiment dimanche pour la suite. Et, ben, certainement pas demain, puisque nous sommes déjà lundi. Donc, voilà. C'est plutôt, je vous retrouve plus tard aujourd'hui. Et à demain pour la suite du secret d'Henri. Voilà, c'est tout.